Reçois cette parole au nom de Jésus. Il y a une réalité qui vient de disparaître. Une réalité qui vient. J'aimerais que tu lèves une main et tu dis, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Dis, souviens-toi de mon sacrifice. Souviens-toi de mon sacrifice. Parce que j'ai marché. Parce que je marchais sous cette pluie. Sous cette pluie. Je suis venu chercher ta face. Je suis venu chercher ta face. Éternel Dieu. Éternel Dieu. Dieu de la cité Bethel. Dieu de la cité Bethel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Avant que nous puissions passer à l'exhortation et à la prière de ce soir, il y a un frère qui nous visite aujourd'hui. Il est venu nous voir pour nous dire merci. Il est venu nous voir parce qu'il a eu aussi envie de prier dans la cité Bethel. Nous avions prié pour lui et il tenait à passer personnellement pour te dire merci pour ta prière. Je peux avoir un micro. Et j'aimerais que nous puissions lui donner beaucoup d'amour quand il sera en train de s'élever. Qu'on lui donne beaucoup d'amour. Lui montrer que nous l'aimons. Et je suis sûr, j'ai eu le temps de parler avec lui. Et il y a comme un appel dans sa vie. On a ri aujourd'hui. Je lui dis, il y a un appel sur ta vie. Et j'aimerais que pendant qu'il sera en train de passer, de faire un sourire ici. Pardon, même si tu ne souris pas. Toi, on ne sait pas. Tu es roulage, tu es... On ne te comprend pas. On sait pourquoi tu ne souris pas. Tu viens dans la présence de Dieu, tu ne souris pas. Même si tu n'as pas l'habitude de sourire, là, tu es obligé de sourire. Je vois quelqu'un au fond qui est en train de chercher le sourire. Ouais. Nous allons nous lever, nous tenir debout. Nous allons le recevoir avec des acclamations. C'est notre frère Ferrego là qui est là. Bandeko, alléluia. Bandeko, alléluia. Vraiment, koya nangai lelo. Et zali pona ko remercier bino et puis pona rebondela nzambe esika na zala ki esika ya pasi bobondela ki pona ngai na lobaki na koleka ndenge wana te mokolo na koma ki fale na kita na ya to bondela longo me mbula ezala ki makasi me lelo mbula ebeti na bina se mbula na kokoma pona na ya to bondela longo. Je suis dans la cité Bethel, Botika Kingaïté, Pasteur Moïse, Atika Kingaïté, Bino Bandine, Botika Kingaïté. Merci Mingi, Nzambe, Apambola Bino, Apambola Bino, pour les talisus. Bolingo Nangana Yesu, et Bolingo Yasu Kateo. Oh, Bolingo Nangana Yesu, et Bolingo Yasu Kateo. Ababeta Kiepo Nanga, Ebakanga
Moi j'ai prévu un cadeau pour lui. Cadeau moko pour naye. J'ai prévu un cadeau pour lui. Nalengelaki cadeau moko pour naye. Et ce cadeau que j'offre à notre frère, c'est au nom de toute l'église. Je vais essayer de l'ouvrir. Alors, pour toi, notre frère, au nom de toute la cité Bethel, non seulement nous avons prié pour toi, mais pour nous, toute personne qui nous visite dans la cité Bethel est en alliance avec nous. Tu es un très grand leader d'opinion. Et nous savons que plus tu continueras à reconnaître le Seigneur Jésus-Christ comme ton Dieu, plusieurs aussi vont croire à ce même Dieu. Alors, ce cadeau, c'est pour te dire, reste attaché à Jésus, continue à croire à lui, et lui seul sait ce qu'il fera dans ta vie. Il sait où nous finirons tous. Il y en a qui ont commencé pasteur et qui ont fini catcheur. Il y en a aussi qui ont commencé catcheur et qui ont fini pasteur. Alors, là-dedans, il y a une Bible. Bible des Anakati. Il y a dedans une Bible. Nakati Biblia des Anakati. Étude et notre livre Assurance du salut. Livre en abysse assurance du salut. Et nous croyons que ces deux ouvrages pourront t'accompagner. Et notre souhait est que ce qui t'est arrivé n'arrive plus dans ta vie. Que tu sois en paix. Et que chaque fois que tu as deux minutes de liberté, que tu puisses lire et évoluer avec ton Dieu. Est-ce qu'on peut se lever faire une prière? Nous allons demander à Dieu sa grâce et sa miséricorde sur son Fils. Au nom de Jésus, prions. Éternel, Yahweh, nous venons te dire merci d'avoir arrêté cette souffrance dans la vie de notre frère. Et nous venons te recommander les restes de sa vie. Père éternel, Yahweh Nzambe, tu as tracé pour chacun de nous un chemin. Et parfois, ça dépasse notre entendement. Mais ma prière de ce jeudi est qu'il fasse ce que tu as prévu qu'il fasse. Soit son Dieu, enseigne-le, car tous nous connaissons en partie. Que ce livre de la loi
que nous lui offrons aujourd'hui ne s'éloigne point de sa bouche. Place dans son cœur la soif, l'amour pour ta parole, et garde-le près de toi. Je demande la paix dans sa famille. Ce qu'il n'a pas su faire, toi Dieu éternel, Jésus-Christ, fais-le dans sa famille. Fais-le dans sa famille. Fais-le dans sa famille. Que toute la gloire revienne à toi. En ton Saint-Nom Jésus, nous lui offrons ce présent. Et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame pour le Seigneur pendant qu'il regagne sa place. Allez. Que l'Éternel soit loué. Dis avec moi, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Depuis hier, je suis dans le psaume 103. Nous sommes en train de méditer depuis hier la nuit dans le psaume 103. Et regarde ce que la Bible dit. Allez, on va y aller.